Serge, j'espère que vous allez bien, ça va super bien. Alors, je vous retrouve sur Monte Grappa, on est sur Battlefield 1 en grande opération. Donc, c'est du 32 contre 32. Le serveur, donc, rejoint, enfin, les gens reviennent au serveur progressivement, ils se remplissent petit à petit. On va essayer de faire. On va se le prendre en pleine gueule. Un kit lance-flammes est disponible près de votre position. C'est bon. C'était pas loin. Ok, donc du coup je vois que le FT-17, donc mon char favori forcément sur Battlefield 1, pour ceux qui sont sur la chaîne depuis très longtemps, c'est vrai que j'ai quand même fait pas mal de cartons avec. Medico nemico, là! Medico nemico, là! Occhio! Un medico nemico! Ok. Ça va faire un fail. Juste que j'ai des mecs qui me couvrent. C'est vraiment ma phobie, hein, les avions avec celui-là. Un medico a tiro. Ça se répare. Oh, attends. Un ricognitore, visto. Demi-tour, il vient de me chercher. Allez, on y va, l'assaut. Putain, arrêtez de me faire chier sur... Discord. Ok, il le tue ou quoi? Merci. C'est bien qu'il y a un truc qui m'a regardé, c'est la vie en fait. Je vais juste faire un truc. Voilà. On va pas se faire trop embêter maintenant. Allez mon petit char. Nous avons pris le secteur. Éliminez toute présence ennemie dans ce secteur. Qu'est-ce qui se passe là? Oh, j'étais bloqué. What?
Là, je comprends pas ce qui se passait. Hein. Mon char, il était. C'est comme en fait si j'avais un. Enfin, comme si je laguais quoi. Alors non, pas du tout, je laguais pas du tout. Voilà ce qui se passait. David 7, ça fait le taf. Peut-être beaucoup trop d'avions. Peut-être beaucoup trop d'avions pour moi, je trouve. C'est d'aller sur la montagne. Nous avons sécurisé le secteur. Trop loin. Allez, on se dégage. On va être assez exposé le temps d'arriver là-haut. En fait t'as pas de visuel quand tu grimpes. Enfin, alors, le canon peut pas s'incliner au maximum, enfin on peut pas. Clairement en fait t'es. Faut compter en fait, sur tes collègues quoi pour pouvoir monter. C'est vrai que t'as une petite partie de teamplay autant pour le tankiste que pour les autres joueurs, ce qui doit vraiment couvrir le pilote de char quoi. Je sais que si sur Battlefield, hein, putain les chars se bloquent extrêmement facilement. Donc... faire gaffe. L'idée c'est de pouvoir monter sur la droite. Si mes souvenirs sont bons, ça ne m'intégrera pas plus tard. Depuis la sortie de Battlefield 5, mais avant, 6 mois avant Battlefield 5, je crois que je ne jouais plus à Battlefield 1. Autant vous dire que ça fait presque 2 ans. Parce que le mec il était lent à monter. Tous les chars sont lents en fait sur Battlefield. Ce qui est réaliste, ce qui est réaliste. Je suis pas sûr qu'à l'époque le blindé ait pu monter sur des chars. Enfin ce char. Et puis monter cette colline. Je sais pas si. J'arrive les gars, j'arrive. On va se les faire, on va se les faire ensemble. Mais qu'est-ce que tu fais là-bas? T'avais pas vu. Nous avons pris l'objectif Anatole. Assaltatore localizzato. On va se les faire. Ho visto una mitragliatrice. Les gars, faut me couvrir quand même. C'était pour moi.
c'est moi. Italien, c'est moi, putain. Ah, y a des mecs juste derrière, faire gaffe. Nous avons perdu l'objectif Anatole. C'est bien. Il se pose en statique et moi, clac, pareil. Quand même des terres. Hey, c'è una mitragliatrice. Nous avons perdu l'objectif B. On va pas prendre d'air, hein. Toi. Nous tous sniper. Okay. Attention, mitragliatrice. Maintenant ça va être de pouvoir défendre le... Je pense pas... je vais pas descendre sur A parce que l'idée après c'est de pas que tu es sur la droite pour nous. Par contre ce qu'on peut faire c'est avancer pour les faire chier. Regagner la zone de combat. Dégage, dégage, dégage. Vas-y, vas-y, vas-y. Placer. Ça va peut-être bloquer mon char ce que je vais faire, mais si je le fais pas, forte chance qu'on n'arrive pas à avancer. Sinon je te pousse, parce que je passe.
quand même y aller. Allez, on y retourne. On fait la guerre. Ah mais dégage! Ah non putain, j'ai cru que c'était... Ah, ça m'en fait la même chose. C'est très risqué ce que je fais, c'est très 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 risqué. Hein. J'arrive pas à me réparer aussi. Nous avons sécurisé le secteur. Non, l'idée c'est de remonter là-haut. On a fait un petit move pour essayer d'aller donner un coup de main. Voilà, pour montrer que j'étais pas là non plus pour jouer que le frag. Mais ça va pas suffire quoi. Allez, on y va. Sera là-haut. Alors vraiment l'idée, faites pas du frontal, hein. Essayez plutôt de monter en biais, c'est plus simple, genre comme le DAU quoi. Ouais, c'est plus simple, bon vous avez peut-être un risque de vous retourner, mais l'avantage c'est que le blindé va rouler beaucoup plus vite. Tu vois, on va leur rendre visite sur B. L'idée c'est de, une fois qu'ils ont détruit la canon, c'est de se déplacer sur la droite. Parce que souvent il y a forcément sur ce point il y a toujours des mecs qui campent. Donc l'idée c'est de se foutre dedans, de se mater comme un bûche quoi. Là arrivent les mecs. On va s'occuper d'eux. Sur un bout. Trop mal, sachant que si je me prends, en gros si je suis sur le côté et je me prends plein fouet les deux obus de la canonnière, ça me tape. Normalement ça me tape, donc on va plutôt éviter. Après ça se fait hein, franchement je l'ai déjà fait, il y a une vidéo derrière sur la chaîne où je crois que j'ai fait 80 kills en jouant comme ça. Gagner la zone de combat. Regagner la zone. J'ai la pété, c'est le moment d'y aller. Ram, je sais pas pourquoi d'ailleurs. Bon allez, laisse-moi la place. Il nous reste 50 soldats.
pris l'objectif B. Ouais, là ça sert à rien. En fait, des fois tu te places ici et ils sont tous autant. Le mieux c'est de les carrément. Carrément de l'autre côté, enfin sur l'autre entrée pour empêcher d'avoir des renforts. Parce que forcément les mecs en fait ils vont se mettre dedans. Excusez-moi. Dilo, il va faire un carnage là. C'est pour moi, c'est pour moi, c'est pour moi, c'est pour moi. Bien joué, bien joué, bien joué. De toute façon, c'est bientôt fini. Oh, on aurait été à 30 kills streak, hein, quand même. 30 kills streak, c'est pas rien. Allez. Allez, c'est la fin. Dernier raise. Notre attaque a échoué, mais ce combat n'est pas terminé. Si nous nous ressaisissons, en vrais Italiens, les parois rocheuses que nous avons devant nous s'écrouleront et l'Empire suivra. Nous recevons un dirigeable en renfort. Allez, espérons que je sois assez rapide. Ah putain, non. Oui. J'ai eu peur qu'il y en a un qui me tire mon truc. Je vais juste rejoindre les squads. Il n'y a plus de monde. Putain, moins de difficulté le camion. Donc le carburant, en vrai je dois utiliser je pense du 50 litres au 100 là juste pour monter ça, c'est un plus. Allez, on va. Comme il est maniable le dirigeable. Et ouais, monter grappa, une des premières maps que j'ai fait quand votre fin est sorti, la première sur laquelle j'ai joué. C'est vraiment un pur kiff, déjà même de rejouer dessus, je la connais, enfin, je connais les lieux par cœur. Bon, poussez-vous, ce qu'il faut faire.
après là. Bon. Faut aller bloquer l'autre accès. Je suis vraiment pour rien hein, si spawn là les mecs. Mais les gars, vedo un assaltatore nemico! Là c'è una mitragliatrice nemica! Su casse là! Un moment, putain les gars. Ouh. Ah, je suis bien chaud pour attendre le char. Inaperçu. Les fusils de détection ne vous repèrent pas lorsque vous êtes immobile ou marchez lentement. Alors mon véhicule, vu la vitesse qu'il va, je pense pas qu'il reste à être détecté. Hein. J'ai pu... Attends, c'était quoi là Thomas? C'est cool et... Ouais, ouais, c'est comme ça, ouais, c'est sûr. Ah putain, il m'a piqué mon char. Allez, on va essayer de repartir sur le point B. Cette fois-ci, vu que c'est A, enfin A est sécurisé, pour se permettre de passer par là. Allez. Du coup, vous avez pu voir que voilà, le il y a un spawn qui est quand même bien dégueulasse. La batterie, par contre, je crois qu'elle peut me shooter de là. Il y a un spawn qui est quand même bien dégueulasse quand vous êtes sur B. Si vous êtes en véhicule, franchement, profitez-en. Hein. Mettez-vous dessus, parce qu'en fait, ils spawnent tous dedans. Donc, autant les bloquer et puis voilà. Avec l'équipe.
cacher. Hop. Allez, poussez-vous, je vais revenir les chercher. Mais réparez-moi les débiles. Nous avons perdu l'objectif Anatole. Ouais, ils ont plus, je suis con. Je t'aurais dû insister, mais en fait, non, ils peuvent plus. Elle a pris le point, donc ça sert à rien. Je vais vous bloquer, les mecs. Je suis quand même vachement focus, hein. Ah putain, foiré. Mais non! Merci. Je sais pas ce qu'il a voulu faire, mais c'était foiré là. On peut espérer de se faire raise. Ah, peut-être, médecin proche. Yes, merci. Ça, ils pourront pas tous nous avoir si on charge tous. È ora di andare. Nous sommes en train de perdre l'objectif vert. On va perdre là. Ah putain, mais on a pas du B.
faut pas que tout le monde y aille par contre, ça sert à rien. Ça sert à rien que tout le monde y aille. Alors. Nous avons pris le secteur. Clic. Regarde. T'as sur BF5, j'ai l'impression qu'ils sont plus rapides les canonniers. Je sais pas. Ouf, ça s'est pris lui. Clic. On y va, on y va, on y va. Je crois qu'il va essayer de me tuer. Il nous reste 50 soldats. Je savais pas qu'il y avait autant de... autant de zones à caper quoi sur, sur mon terrain. C'est un truc de fou quand même. C'est vous. Nous avons pris l'objectif perte. Non, pas maintenant. Dommage. Il nous reste 20 soldats. Ouais, faut se moquer comme un grand foiré. Clic. Merci. Ah, c'est merci. Faut utiliser le torche. Nous avons perdu l'objectif perte. Bon, inquiétez ces systèmes, écoutez les faits. Ah, restez pas là les mecs, restez surtout pas là. Hein. Ecco qui, cassetta medica. Granata fumogena. Ecco un fumogeno per voi. Cassetta medica, ecco. Darò un'occhiata alle tue ferite. Posso aiutarti? Ah, dommage. Nos attaques ont échoué. Les Autrichiens ont réussi à tenir. Nous allons lancer toutes nos forces dans la prochaine attaque. Putain, il fait 103, c'est notre dernière chance de reprendre la forteresse. Avanti Savoia. Avanti Savoia. On va essayer d'y aller, hein. Nous recevons un dirigeable en renfort. Ah, laissez-moi le tank. Oui. Alors bah, je vais me bourrer en bas. Je vais me bourrer sur le contrebas et je vais pour pas se mater. Hein. Je vois que ça. Je vois que ça à faire. Allez, 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 ça passe, ça passe, ça passe, ça passe. Mmh.
Allez, cassez-vous. Je m'occupe d'eux. Y aller ? Ouvert mon pote, tu veux y aller. Nous avons pris l'objectif Anatole. Ah, par contre ça va vite être c'est passé sur le dessus parce qu'en fait les mecs ils sont juste sur... Ok, ils se sont remis en bas. Coco. C'est vrai que c'est différent par rapport. Enfin, l'opération Battlefield est totalement différente par rapport à celle de Battlefield 5. Tu as donc tes trois bataillons, ça c'est plutôt cool et tout. Et quand tu switch sur la deuxième map, sur la troisième, en gros, tu gardes les bataillons où t'en étais. Si t'en restes deux, bah t'en restes deux, et ainsi de suite. Et en fait, ton score se réinitialise. C'est Battlefield 5, journée 1, journée 2, journée 3. Souvent, la journée 3, c'est notre map. Et du coup, sur Battlefield 5, tu gardes quand même ton score. Donc à la fin, au final, sur les 3 jours, tu peux quand même réussir à faire sur Battlefield 5 un gros ratio de malade. Là, sur Battlefield 1, tu es obligé en fait de faire ton ratio, enfin ton score dans une seule partie quoi. Sinon, t'es pas dépaisé quoi. Si je vais les chercher, les mecs, je peux les chercher normalement. C'est moi. Petit polisson là. Essaye d'y aller quand même bien franco. Pas le temps, ça je le ferai après. GG. Bon bah 63-3, hein. Oui, soldat. Petit ratio de 11. Nos cris de victoire vont retentir dans toute l'Europe. Nous avons enfin capturé la forteresse. Ah, saut de 21. Nous allons maintenant unir nos forces sur la côte adriatique pour le dernier assaut. La victoire italienne dans les montagnes perça les lignes austro-hongroises et sépara leurs armées. Bon, je vous propose quand même la deuxième map. Hein. Sur la côte adriatique. Où les forces de l'Empire entendaient bien se battre jusqu'à la mort. Ah, tu m'étonnes, les mecs ils voulaient les eaux transparentes et tout. Les vacances, ça se mérite, hein, donc forcément. Bon, du coup on va faire cette deuxième game, donc comme je disais, le score va être normalement réinitialisé. Je sais pas si je vais jouer au tank. Je sais pas du tout. Tiens, l'Empire, j'ai un affléchir un petit peu la map, comment elle est située en opération. Les deux premiers points à droite, il y a une grange, si je vous me dis pas de merde. Le deuxième, ok. Non, je vous dis des conneries. Ci dirigiamo verso le posizioni sulla costa. Accanto agli uomini rombano potenti mezzi corazzati. Ah, ça passera pas. En fait, les points du milieu, en fait, c'est 3 points qui sont linéaires de bas en haut. Et ils sont complètement impossibles à... Enfin, en gros, ils sont super galères à capturer pour ceux qui connaissent justement la map en opération. Vous avez donc l'espèce de château au milieu, l'espèce de
double tour qu'il y a devant le château après avant le pont et l'île tout en bas. Et, ouais, c'est vraiment compliqué parce qu'en fait, enfin, c'est un peu comme les 3 points qu'il y a juste avant sur Monte Grappa, quoi. Ils sont vachement dispersés. Et le souci, c'est même pire parce que là, en fait, quand tu vas aller échapper, enfin, aller chercher un point, bah, les mecs ils sont déjà en train de taper l'autre point au nord. Le plus simple en fait c'est de chercher le point du bas en premier, l'île, en remonter sur le château, et enfin taper le dessus. Parce qu'en fait, depuis le château, tu peux défendre justement facilement les 2 points, et notamment l'île, parce que l'île en fait, les mecs sont obligés, je crois, côté défense, ils n'ont pas de bateau. Ok, et ben on va être obligé de jouer avec la Federov et en médic. Parce que je disais, de grange à la Villa Stefano. Je vais être rapidement occupé. Il y avait un mec tout à l'heure les gars. En fait j'avance que j'ai oublié de couper le micro à chaque fois parce que je tousse depuis tout à l'heure. Posso curarti? Cassetta medica, ecco. Lancio una granata fumogena. Vuoi che ti curi? Comme un débile. Alors comme un débile, j'ai voulu me précipiter au tout début en mode c'est bon, ça va le faire avec l'arme à la main. Et j'ai oublié en fait qu'il faut sortir la seringue. Putain, trop habitué, enfin trop bloqué sur BF5, ou BF5 justement t'as l'animation, t'as juste à faire la touche pour aller rester ton collègue. Bah là non. Oula, va falloir vite, très rapidement là, capturer ce point. Je pense qu'il va falloir faire une défense là-dedans. Putain, c'est moi qui laguais ou lui, je sais pas. Éliminer toute présence ennemie dans ce secteur. Ah, ma petite fille des reufs. C'est là que c'est tendu. Désolé mec, mais avec ton collègue qui est en artillerie là, je suis pas très serein à gauche. Donc on va additionner les kills qu'on a fait juste avant, avec celui maintenant. On est à 63 plus 5, 68. Qu'est-ce qu'il fait lui? Qu'est-ce qu'il fait? Thank you.
pas ce que t'as voulu faire, mais... C'était un peu débile de ta part. Ah mais qu'est-ce que tu fais, toi? Ah mais c'est ok. Ça par contre, c'était un peu plus lourd. Ouais, essayer de me toucher. Tire douce ton forêt. Je crois que c'est les canons en fait, ouais je crois qu'il y a des canons en hauteur. Ah non, il y a un 7V qui descend, ok. Qu'est-ce que tu fais? Nous avons pris le secteur. Éliminez toute présence ennemie dans ce secteur. Stylé. Bon, je sais que j'avais dit qu'on parlait, enfin, j'avais parlé de l'île en priorité. Malheureusement, l'île là, ça va être un peu compliqué. On va plutôt aller taper sur le côté. Faut pas hésiter à tirer, hein. Venez les snitcher là-haut. Bah ça, on a pris aucune utilité. Ouh, par contre la CT qui revient en force avec le Saint-Chamond, on va essayer de le chasser. Le binôme char français, on va voir ce que ça a donné. Et je vous avais dit hein, qu'ils reviennent. Hein. Ils reviennent ta paire hein, les mecs. Incroyable. Jusqu'au bout. Hein. Ils ont déjà pris une raclée mais ils reviennent. Dégage de là. Avant je galérais à gérer ma macro. J'avais du mal en fait, des fois je posais les mines, j'étais un peu stressé. Je posais les mines au lieu de réparer la chine. Et du coup les mecs me focussaient derrière. Qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce que vous faites aussi là-bas?
Nous avons pris l'objectif céleste. La moitié de nos forces. Les gars, vous me fatiguez là. Pousse-moi. Dégage-moi de là. Putain, mais ça. C'est un niqué. Mais le mythe c'est d'avoir un char lance-flamme. Tu dégages. On a pris le secteur ? Putain, j'ai mis cher. Incroyable. Très bien mon pote, faut qu'on essaie de les bloquer là. Je serais bien foutu pour que tu puisses quand même les asthmater quoi. Ils sont en bas les mecs. Darò un'occhiata alle tue ferite. Putain, mais lui il est abusé, il fait des têtes depuis tout à l'heure. Ah, c'est bizarre, regarde Alexa Katov, regarde en haut à droite. En essayant de prendre les points quoi. Ouais, c'est abusé, le mec il fait que des têtes. Que des têtes. Nous sommes en train de perdre l'objectif Berthe. Allez, qu'on me dise pas qu'il est très bon. Ah, il s'est fait buter.
Ça y est. Il a dû mettre un cheat mode pour juste avoir le. Il nous reste 50. Eh, Kokui, cassette à mettre. Il a dû toucher le collègue, je pense qu'il était un peu au-dessus, puis ça a dû péter. On va être bloqué juste à... ouais, on va être bloqué sur ce point là je pense. Lancio una granata fumogena. Ecco, cassetta medica. Nous avons pris l'objectif Bert. Ecco, cassetta medica. Éliminez toute présence ennemie dans ce secteur. Ti hanno ferito, lascia che ti curi. Lancio un fumogeno. Il s'est poussé. Le dernier objectif est à notre portée. Allez hop, respawn. T'avais pas dit une squad avec Ah putain, je suis plus spawn avant. Ah. Gagner la zone de combat. Il nous reste 20 soldats. Tu mérites. Vuoi che ti rimetta in sesto?
pris l'objectif Anatole. Ecco, cassetta medica. Darò un'occhiata alle tue ferite. On arrive, les gars, on arrive, tenez. Oui! On a réussi. Putain. Ça fait plaisir. Fantastico, fratelli. Réjouissons-nous de notre liberté et admirons notre beau royaume d'Italie. Notre sacro egoismo est un exemple pour le monde entier. Et du coup, on est à 82 kills et 12 morts. Ouais, si on prend la partie d'avant, c'est quand même une bonne game. Je sais pas combien de temps elle a duré, je pense qu'elle a duré très longtemps. C'est une grande opération, c'est pour ça que les grandes opérations de final durent souvent 45 minutes, 1 heure en plus. Je vous invite donc à mettre un petit like si la vidéo vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à laisser un commentaire. Et je vous dis à très bientôt, on va s'arrêter là. Ciao tout le monde!